Je m'appelle Monsieur Koussa Fibrice, j'ai 44 ans, je suis père de famille. Ça fait 6 ans que je suis chez Spin Nucléaire. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Je suis arrivé en France à peu près à l'âge de 27 ans. Et j'avais une passion que j'avais commencé depuis l'âge de 15 ans, donc c'était le karaté. Par rapport à ça, j'ai commencé à faire des compétitions nationales et internationales. J'ai commencé la soudure et c'est vite devenu ma deuxième passion. Après avoir obtenu mon diplôme en soudage, tout de suite, j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises au Congo, en Suisse, en France. Et en chemin, j'ai rencontré Spin Nucléaire. Alors, ma journée, après avoir mis mes bleus, je me dirais directement au bureau voir des collègues. On fait un pré-job, donc avec le responsable, celui qui est là. Une fois qu'on a fini, on part sur le chantier. Et quand on arrive sur le chantier, la première des choses, c'est de refaire un pré-job sur le chantier avec le tuyauteur qui détermine exactement l'endroit là où on va commencer l'activité. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Le fait déjà d'assembler, fusionner le métal, quelque chose que j'adore. C'est plus fort que moi. Il faut être minutieux dans la soudure. En tant que soudeur, il ne faut pas être stressé, il faut être zen. Le karaté m'a apporté beaucoup de sérénité. Grâce à ça, je me sens à l'aise dans mon travail. Mes deux passions partagent les mêmes valeurs. Travailler chez Spin Nucléaire, c'est d'abord l'esprit d'équipe, le goût du travail bien fait, la rigueur. Moi, pour une personne qui veut rentrer chez la SPI, ben, je pourrais que l'encourager.